floor. I warmly welcome the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defence, other government ministers here present, and the delegations accompanying them. For over 5 years now, the regions of the Northwest, Southwest, Extreme North, and the East have been suffering from social unrest, which has degenerated to an asymmetrical war in some cases, causing general insecurity, kidnapping, and rampant killings caused by acts of terrorism perpetrated by these unlawful citizens of our country. Government efforts through your ministry, especially the social policy of the Army, which has generated a cordial relationship between the Army and civilians in some of these areas, have brought very positive effects and helped to restore peace and harmony in areas highly infested with such atrocities. We have witnessed military men taking teaching courses in public schools where teachers have abandoned duty because of insecurity. The Army, in several cases, have been seen making supplies of primary needs to the suffering populations. This has been quite commendable and treasured by most, if not all, Cameroonians. Your Excellency, if this technique of a brief and humanitarianly nurtured armed forces has worked in highly insecure areas of the regions under insecurity, when is it going to be tested in some enclaved areas of the Southwest region like the BLM division, not leaving out those areas in the Southwest region which have not yet received these teams? Inasmuch as appeasement remains a valuable tool of the Army to strategize on ending the crisis in the Northwest and Southwest regions through strengthening Army-civilian relationship in diverse aspects, could it not be appropriate to envisage another way of backing those areas which are witnessing relative peace in the Northwest and Southwest regions by establishing both small and medium-sized temporary and permanent military units to back community efforts by vigilante groups in order to facilitate a smooth and sure return to definite peace subsequently? Lastly, Mr. Minister, the UPC revolt, which degenerated to a terrorist war of the 1960s, became a deadly war in some parts of the country, just like the current separatist war. According to your speculations, when could we jubilate over the end of this horrible separatist war in the Northwest and Southwest regions? Thank you, Mr. Minister, for the answers you would be providing to these questions. Thank you, Right Honorable President of the Senate, for the opportunity given. To crave the indulgence of the Right Honorable President of the Senate, as well as the distinguished senators, to kindly accept the apologies of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, who is currently out of the country for professional reasons. The Minister Delegate instructed me to represent him here today. He also requested me to seize the opportunity to thank the Upper House of Parliament for the repeated occasions given to the Ministry of Defense to discuss the country's security situation with the senators. The esteemed Senator Lekunze Andreas Nembo expressed his appreciation for the work carried out by the defense and security personnel on the field. I would like to thank him for his permanent support. He did, however, request clarification on three specific points, which I would like to summarize below. First point, the reinforcement of civil military actions, notably in the BLM division. Second point, the creation of more defense and security forces unit in the Northwest and Southwest.
Third point, the prospects of a definitive return to normalcy in these two regions. Right Honorable President of the Senate, a week ago, in these very same premises, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense gave an update on the country's security situation in response to a question from Senator Pierre Flambeau-Gaillap. The Minister Delegate indicated that there was relative calm throughout the national territory, despite a few areas of concern in the Northwest and Southwest, notably. The defense and security forces are thus active on the field to counter any attempts by various criminal groups to disrupt public order. Despite the heavy price often paid in terms of lives snatched from them, our personnel pursue the mission entrusted to them by the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces. Having said that, I will now focus on the 3 points raised by Senator Lekunze. Le premier point est relatif aux actions civilo-militaires. Elles sont de manière indéniable l'une des manifestations concrètes du lien armée-nation au cœur de la politique de défense dans notre pays. Leur objectif majeur n'est pas seulement de gagner les cœurs et les esprits des populations en situation d'engagement opérationnel. Elle s'inscrit plus largement dans la volonté des acteurs militaires de contribuer à l'œuvre de construction socio-économique de la nation. Le soldat devient ainsi capable de manier aussi bien l'arme que la pelle ou la craie pour porter secours et réconfort aux populations civiles. J'ajoute que les actions civilo-militaires ne sont pas cantonnées aux seules régions en crise. Elles sont conduites en tout temps sur toute l'étendue du territoire national, que ce soit à travers les campagnes de soins de santé au profit des populations avec prise en charge totale ou partielle, les secours multiformes lors des accidents majeurs ou des situations de catastrophe, les actions de participation au développement du génie militaire et j'en passe. Toutes choses qui contribuent à rapprocher davantage les populations des forces de défense et de sécurité. Pour ce qui concerne les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les crimes perpétrés par les groupes séparatistes sont porteurs de graves souffrances pour les populations, sans oublier les répercussions économiques qui en découlent. Les actions civilo-militaires engagées visent à atténuer ces souffrances à travers le maintien de certains services sociaux vitaux et la réhabilitation d'infrastructures collectives. Dans le département du Lébialem en particulier, qui a été évoqué par le sénateur Lekunze, nous sommes également actifs sur le terrain socio-humanitaire. Le génie militaire et le bataillon d'intervention rapide réhabilitent en permanence certaines routes secondaires pour faciliter la mobilité des troupes et des populations. Des consultations médicales sont organisées de manière régulière, notamment dans la localité de Bantin par Wabane, avec à la clé des distributions de médicaments aux populations. Un forage a également été mis à la disposition des populations dans cette même localité. À Mendi, les communautés riveraines sont recrutées par le BIR pour la construction de certaines infrastructures sécuritaires dans l'optique de les associer à l'effort de reconstruction. Également, le 24e BIM a eu en début d'année, il a eu à procéder en liaison avec la commune de Mendi à la réfection d'un ensemble de ponts à l'entrée de la ville. Pour la prochaine rentrée scolaire, le BIR planifie déjà une opération spéciale dénommée « Go back to school » pour une reprise des cours sans heurts dans ce département. Mais je suis d'accord avec le sénateur Lekunze.
il nous incombe de faire mieux et davantage, notamment dans les zones les plus reculées, où certains services de l'État peuvent faire défaut en raison du contexte sécuritaire. Toutefois, malgré leur importance largement saluée par les populations, la conduite des actions civilo-militaires est tributaire des moyens disponibles. Et je me réjouis de l'évoquer devant cette auguste assemblée, qui est la mieux indiquée pour un plaidoyer pour le renforcement des marges financières du ministère de la Défense, quand viendra et se tiendra en fin d'année la session budgétaire. Deuxième préoccupation abordée par le sénateur Lekounze, la mise en place de nouveaux postes militaires pour une meilleure sécurisation du département du Lébialem. Je puis vous assurer, monsieur le sénateur, que cette préoccupation est bel et bien prise en compte. Des mesures concrètes ont déjà été implémentées en ce sens sur le terrain, sans préjudice de toutes celles qui sont encore en étude. Je voudrais rappeler qu'à ce jour, toutes les forces de première, deuxième et de troisième catégorie sont bel et bien présentes dans le Lébialem. Et elles font leur travail avec engagement sur le terrain. Toutefois, de nouvelles unités militaires ont récemment été créées ou sont sur le point d'être activées. Je voudrais citer sous ce regard la mise en place il y a quelques mois d'un détachement gendarmerie nationale 24e BIM dans la localité de Bessali par Wabané. L'installation effective d'un détachement du BI dans la localité de Bantin, arrondissement de Wabané. La création d'un camp du BIR à Mendi. Les travaux de construction de cette caserne tirent à la fin et l'unité sera pleinement opérationnelle dans les prochains jours. Elle hébergera de manière permanente les personnels militaires actuellement stationnés à la sous-préfecture de Mendi. Si les exemples que j'ai donnés concernent uniquement le Lébialem, il va sans dire que cette dynamique d'occupation et de maîtrise du terrain est conduite partout ailleurs dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, suivant une planification militaire méthodique pour atteindre les objectifs fixés par le haut commandement. S'agissant maintenant des perspectives de fin de crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a lieu de constater que l'ensemble des dispositions déjà prises par le gouvernement sur divers plans permettent un retour progressif à la normale dans ces deux régions. C'est notre perception au quotidien et bien d'indicateurs permettent de le confirmer. Dans ces deux régions, les élèves de tous les ordres d'enseignement ont passé une année académique relativement calme, avec un taux d'occupation des classes qui va grandissant année après année. Les activités sociopolitiques et sportives, qui étaient fortement entravées, ont repris avec une certaine vigueur, comme le montre l'organisation de récents événements de portée nationale, comme la fête du 20 mai, la fête internationale du travail du 1er mai, la course de l'espoir à Boya et j'en passe. Au plan économique, il est noté la reprise d'activité des grandes sociétés agro-industrielles comme la Pamol et la CDC. Le taux de recouvrement des recettes fiscales s'améliore progressivement. De grands chantiers routiers sont soit en cours d'exécution, comme la route Babadjou-Bamenda, ou en voie de lancement, comme l'aménagement de la Ring Road, section Kumbo, Kambé, Misager, frontière Nigeria. Loin de moi l'idée de dresser un tableau idyllique de la situation, car nous continuons d'enregistrer nombre d'exactions, comme des enlèvements de personnes avec demande de rançon, des incendies de biens privés et publics, des attaques séparatistes contre les patrouilles militaires et contre les populations. Récemment, à Ioumedjok, dans le département de la Magnou, 5 personnels de la gendarmerie nationale, y compris le commandant de brigade, ont perdu la vie à la suite d'une embuscade terroriste
pour ne prendre que ce cas. Un gendarme ou un militaire tué dans l'exercice de ses fonctions. Un civil tué alors qu'il ne demande qu'à vivre paisiblement. C'est bien évidemment une mort de trop. En dépit de ces contre-coups, la tendance générale, et je l'ai dit, sur le terrain, elle est bel et bien positive. Donc la vraie question pour le ministère de la Défense est de voir comment consolider et accélérer tous ensemble la dynamique actuelle de stabilisation et de normalisation. L'effort de défense et de sécurité, pour ce qui les concerne, continueront d'apporter la réponse sécuritaire appropriée. Le cap qui est le nôtre est celui fixé par le chef des forces armées, à savoir préserver l'intégrité territoriale du pays et protéger les populations et leurs biens. C'est le cœur même de notre mission qui sera conduite avec toute la fermeté nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra. Pour cela, nous menons des opérations ciblées sur le terrain pour neutraliser les forces d'opposition dans ces deux régions. Nous formons au quotidien nos personnels pour améliorer leur capacité d'intervention face à l'ennemi. Nous acquérons de nouveaux moyens logistiques pour faciliter les capacités de projection de nos unités. Nous renforçons nos effectifs. Dans les prochains jours, ce sont près de 6 000 militaires et 3 340 gendarmes qui vont entamer, à l'issue du recrutement en cours, leur formation dans les centres d'instruction militaire. La réponse, nous le savons tous, ne peut pas être uniquement sécuritaire. Au niveau du gouvernement, des programmes importants de relèvement sont mis en œuvre pour la reconstruction économique de ces régions, le renforcement de la gouvernance locale, le retour dans le giron de la République au travers du DDR de tous ceux qui ont pris les armes pour exprimer violemment leurs récriminations. La réponse communautaire locale doit également être saluée, car de nombreuses autorités et élites de ces deux régions sont, souvent au péril de leur vie, pleinement engagées dans la lutte contre ces groupes séparatistes. Grâce à leur action, plusieurs comités de vigilance se sont créés et sont actifs sur le terrain. Et nos unités militaires bénéficient d'une coopération accrue de la part des populations qui font remonter des informations qui nous permettent de démanteler les capacités ennemies. Mais cette réponse communautaire mérite d'être davantage renforcée parce que dans certains cas, ces terroristes sont encore cachés et protégés par des individus aux intérêts inavoués qui les ravitaillent en denrées alimentaires, qui les renseignent sur les mouvements des convois militaires, qui les aident à fructifier les fruits de leurs rapines via des réseaux organisés. Il faut briser définitivement cette spirale de financiers, de commanditaires, de relais et soutiens logistiques qui se croient cachés au sein des communautés locales. Tous ceux qui entretiennent en sourdine cette situation doivent être mis à la disposition des autorités compétentes. En définitive, tout le monde doit s'impliquer pour accompagner le retour irréversible à la normale déjà en cours dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Right Honorable President of the Senate, in conclusion, I would like to respectfully convey through your high authority the renewed expression of gratitude of the entire family of the Minister of Defense to the distinguished senators for all the good measures taken on a daily basis in their respective political unit to assist the defense and security forces in the execution of their mission. Finally, I would like to thank Senator Lekunze for his questions, which enabled us to shed light on the security situation in the Northwest and Southwest regions.
Thank you for your kind attention.